Wesh les frérots, c'est Tonton Démonexion. J'espère que vous allez bien mes gros BG. On se retrouve aujourd'hui les mecs avec une petite vidéo. Je suis accompagné de mon petit acolyte Rémi. Présent toujours là, toujours le capitaine. Ah, il est en place les gars. 6-6-4-9. Les mecs, regardez autour de nous. On n'est pas en plein jour, on est à la tombée de la nuit. Commence à faire nuit tranquillement, gentiment. Et Rémi il est avec moi. C'est le mois d'Halloween les mecs. Et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer ce mois avec quelle vidéo? Citrouille. Urbex. Maton. Non. Les mecs, aujourd'hui on va partir sur un urbex. Vous aviez kiffé le dernier urbex avec Zizou les mecs. Je me suis dit, pour commencer ce mois d'octobre, on va faire le premier urbex avec Remix. Ok les mecs, on va faire un truc. Dis-moi, okay, je fais qu'un urbex hein. Je fais qu'un urbex. Non, on va faire un truc les gars, on va faire un truc. Écoutez-moi bien. Si vous m'explosez à chaque fois la barre des pouces bleus, on va faire un premier urbex avec Rémi qui va être aujourd'hui. Le prochain urbex sera avec Rémi et Zizou. Mais viens, on fait la journée. Et le dernier urbex pour le jour d'Halloween sera avec Zizou, Rémi, Nadia. Mais viens, c'est la journée. Les gars, si vous êtes chaud, vous m'exposez les pouces bleus, vous me dites dans les commentaires si vous êtes bouillant. Et là, on va partir pour un urbex dans une école abandonnée. Cette école, les mecs, je crois que c'est une école. C'est un abonné qui m'a dit, les gars, d'aller checker là-bas. Je sais pas si c'est une auberge de jeunesse ou si c'est une école ou si c'est un lycée ou bref, on s'en fout. Je n'ai jamais été dans cet endroit. Je ne sais pas s'il est squatté, je ne sais pas s'il est hanté, je ne sais pas s'il y a. Par contre, tu me promets, t'as pas mis des trucs bizarres là-bas. Non, j'ai pas fait de prank, j'ai pas fait de je sais pas quoi. On y va que tous les deux là. On y va tout de suite, les mecs. On prend la voiture, on est à 45 minutes du lieu. Je ne le connais absolument pas. On va le découvrir, les mecs. Ça va être parti. Let's go pour ce mois d'Halloween. Je sens qu'on va kiffer. J'aime bien les mecs quand c'est Halloween, quand c'est Noël, quand c'est je sais pas quoi. Même si c'est pas dans la religion, je sais pas quoi. J'aime bien juste l'atmosphère, j'aime bien l'ambiance, ok, pas pour le côté religieux, etc. On est dans ambiance. C'est quoi, Rémi, je te laisse sortir de la voiture, va chercher 2-3 équipements, je t'attends ici. Vas-y, c'est bon. Attends, je peux prendre ce que je veux. Tu prends ce que tu veux. Tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu peux me servir dans ta chambre. Tu fais ce que tu veux, gros. Moi, j'ai pris une lampe, une batterie externe et le reste, nos caméras. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Les mecs, on prend la voiture, on se rejoint directement là-bas. Il commence déjà à faire nuit, ça y est. Rémi, à tout de suite. Les mecs, dans quelques secondes, c'est parti. On vient d'arriver, ok. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, les gars. De toute façon, je vais vous mettre un peu des photos de jour. Déjà, est-ce que tu peux nous montrer ce que t'as ramené, s'il te plaît? J'espère que t'as ramené un vrai truc, gros. Parce que moi, je vais pas te mentir, je commence déjà à me chier dessus, frère. Je l'ai volé à toi, ça. Katana. On descend de la voiture, Rémi, on y va. On arrête de parler, c'est bon. American boy. Le premier urbex de Rémi. Tu le sens comment? En vrai, tu le sens comment? Parce que la dernière fois, quand j'étais avec Zizou, c'est grâce à lui qu'on est rentré. Il aurait pas été là, je me serais vraiment pissé dessus. Et là, tu le sens comment, toi? Là, je vais te faire pipi déjà, ça c'est. Ah, ça va pas là. Ça va pas trop. Ok, bon, allez, on y va. Est-ce que toi aussi, quand tu stresses, t'as envie de péter? Allez, c'est parti, les mecs. Let's go. Tu fais quoi, gros? Je suis bloqué. Ma porte, elle s'ouvre pas là. Je suis bloqué là. Oh, commence pas à trouver des excuses. On a pas commencé. Il y a des rondins de bois de ouf devant. Tu l'as débloqué. Mais il était bloqué au début. Ah ouais? Vas-y, bah viens. Allez, c'est parti, Rémi. Non, mais j'ai mal au dos. Rémi, t'es un bonhomme, on y va. Allez, c'est parti, gros. Allez. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on est à côté des voitures en fait. Ouais, c'est vrai, les mecs. Regardez, en fait, il y a des voitures pas très loin. Donc, à la limite, c'est un peu rassurant. Il y a du bruit. En fait, pour bloquer l'accès, il y a plein de rondins. Te pète pas la cheville, Rémi. On y va, gros. Imagine, les mecs, faut qu'on se dirige là-bas au fond. Allez, Rémi, c'est parti. Vas-y, go, 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 go. Mais gros, elle est pas bloquée là par contre. Ah. Rémi, elle est pas bloquée, Rémi. Je peux pas y aller. Rémi, je t'attends dans la voiture. Frère, commence pas, gros, on a pas commencé, s'il te plaît. Vas-y, viens. Bon, les mecs, là on arrive sur le lieu. Rémi, fais pas froid, c'est parce que t'as peur. Faut que je fasse pipi. Si tu veux une lumière, on court. On court, c'est bon. Y a pas de panneau. Les mecs, je crois qu'il y a plusieurs bâtiments. Il y en a un sur la gauche, tu vois, Rémi. Il y en a un devant, hébergement, salle de cours, restaurant. Tu l'as vu celle-là, la maison là? Oh là, c'est chaud. Il y a une maison juste devant nous. On va dire que c'est moins stressant que le château. Mais tu sais que, en gros, c'est un urbex, Rémi. C'est One Piece? Pour faire peur aux SDF. Ouais, faut respecter le lieu du urbex, en vrai, de vrai. Une petite pause. On a pas commencé encore. Rémi, tu vas en premier? Non, Rémi. Vas-y, je te laisse avancer, gros. Viens. Bon, les mecs, là, on est sur le premier bâtiment. Je sais pas trop c'est quoi, du coup. Bonjour, alors... On vient pour rien faire. Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut dire, t'as le chien. On vient juste pour visiter. Oh là là. Ah oui, c'est moi qui a parlé. Aïe. On vient pas faire de mal. S'il y a quelqu'un, vous voulez claquer une porte pour savoir si on doit faire de mal. T'es un ouf, toi. Mais gros, tu dis pas ça. Oui, oui. C'est une abeille, mais y'a pas d'abeille la nuit. Un truc sérieux, fais gaffe où tu marches vraiment. T'es genre en mode s'il y a une marche qui craque ou un truc comme ça. Mais gros, mais pourquoi tu marches dessus? Non, premier degré. T'entends bruit, t'entends, j'ai un caca marché. Je te jure, il y avait quelqu'un. Appelle la police. Mais gros. C'est pas possible qu'il marche sans lumière, le gars. Quand t'as SDF, tu te repères facile, hein. Genre, t'as les yeux de chat quand t'as les SDF. Genre, t'as des atouts, genre. Il y a un gars là. Mais où il y a un gars? Il y a pas, il y a une brouette.
C'est un gars, il a ses coucougnettes sur une brouette. Tu vois, Rémi, c'est ça ton problème. Je savais que j'aurais pas dû prendre toi, gros. Si on fuit pas, gros. Les mecs, là, on va changer d'aile. On était sur l'aile droite de base. Rémi, il a entendu un truc, mais je pense que c'était un animal. On y retournera après. Et là, on va partir sur l'aile gauche, les mecs. Elle appartient l'homme avec la quéquette dans la brouette. On va l'explorer ce côté et on va voir. Rémi, arrête de te chier dessus parce que moi, je me chie dessus. Mais Rémi, moi, je pourrais jamais rentrer là, gros. Vas-y, viens, il y a une porte. Mais dis-moi, déjà, j'ai peur de rester à la maison tout seul. Gros, oh, l'objectif, c'est qu'on fasse au moins un bâtiment, c'est bon? Au moins un. Non, mais c'est une branche là, que t'as approché. En plus, là, on va dans une forêt derrière, là, non? T'as fait tomber la caméra et les lunettes, espèce de chien, là. Oui. Mais ça attaque! C'est quoi ce bordel? Ouais, mais c'est pas une abeille, ça. Il vient dans mon cou. Mais il attaque vraiment, gros, c'est quoi ça? Il est revenu. Je crois qu'on est pas les bienvenus dans ce lieu, Rémi. C'est comme ça qu'ils disent non. Mais on va pas rentrer parce qu'il y a une guêpe qui nous a attaqué trois fois. Attends, il y a une voiture qui s'est arrêtée là. Les mecs, il y a une voiture qui vient de s'arrêter vers nous là. Bon, les mecs, c'est bizarre, il y a une voiture qui est arrêtée vers la nôtre. En vrai de vrai, cet urbex il est bizarre. Les gars, l'urbex il est vraiment bizarre, il y a trop de trucs bizarres. Déjà, il y a des guêpes qui nous attaquent. Une voiture qui s'arrête vers la nôtre et qui repart. Et Rémi qui s'invente des vies. Et en fait, le souci c'est à cause de toi, espèce de chien, parce que tu nous fais flipper. Bonjour, je viens juste visiter. On veut pas de mal. On vous veut pas de mal. S'il y a quelqu'un, faites du bruit. Comme ça, on sait si on doit partir. Il y a le signe du diable. Quoi? Le A. Le A, ça veut dire c'est des gens qui foutent le bordel. Toi, tu dis n'importe quoi, toi. Les gars, là, c'est une pièce, elle est toute abandonnée. Elle est dead, la pièce. Il y a encore une chaise au milieu. Vas-y, Rémi. Allez, on y va. Non, mais je te laisse. Non, mais moi, je suis généreux. Non, vas-y, je te regarde. Non, mais en ce moment, j'aime bien les gens, donc je te dis, allez. C'est quoi, vas-y, je te laisse. Non, mais en fait, j'ai mal au pied. Et en fait, je peux pas trop y aller. Je te laisse, c'est y aller. Bon, j'ai compris. Vas-y. C'est flippant. Là, il y a un livre, les gars. Sécurité contre l'incendie. Dague. Oui, mais il y a un cœur. Ça va alors. Ça va. Regardez, les mecs. Il y a encore plein de documents par terre. Il y a plein de livres. Oh. On va pas là-haut, on a, j'ai dit. Non, là-haut, c'est trop dangereux, ça peut s'écrouler. On va faire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? On va se disperser. On va voir en face, moi je regarde à droite. C'était la pièce du TPU, les gars. Je crois que c'était une classe ou je sais pas ce que c'était. Là, c'était la cuisine, non? Oui, les gars, il y a tout qui a été retourné. Tout qui a été retourné. Cuisinière, guide d'utilisation. C'est que ça coûte super cher les ballons de baudruche. C'est pas des ballons de baudruche, ça. Wesh, c'est quoi ça? Wesh. C'est les catacombes de Paris. La Dijon. C'est quoi là-bas? Wesh, ça fait flipper là. Wesh. On aurait dû prendre. Est-ce qu'on a pu se prendre? Et de prendre à manger. Et les mecs là, je crois qu'il y a tous les tâches qui ont cramé. Regarde, les tâches, il a cramé. Rémi, tu peux regarder les pièces s'il te plaît? Moi j'en ai pas, frère. Vas-y. Arrête ça, chien! C'est quoi? Ah, mais c'est des chambres, hein? C'était des chambres. Oui. Bon, là les mecs, c'était une grande pièce. On va peut-être pas rentrer, j'ai un peu peur des poutres, c'est un truc qui me tombe sur le crâne. Fascicule des classes de préparation à l'apprentissage. Et tout qui a cramé, je rigole pas, frère. Arrête. Rémi, il y a une porte qui est fermée. Rémi, il y a une porte qui est fermée. Alors ça, mentalement, physiquement, je peux pas. Allez, Rémi, on aura fait le tour. Vas-y, gros. J'ai mal à la tête. Non, non, non. Tac, tu mets un gros chassé, on y va, allez. Vas-y, avec le pied. Non, c'était une pièce vide. Ouais, non, je peux pas, là. Dès qu'il met ses lunettes, les mecs, ils se transforment, c'est dingue. Moi, je couvre les arrières. C'est quoi là-bas? Les chiottes. Ah ouais? Ouais. On a fait le tour là. Ouais, on a fait le tour. T'as vu ce que c'est par terre ou pas? Il y a des gens, ils font du paintball par terre. C'est un terrain d'airsoft? C'est un terrain de paintball. Il y a plein de billes. Ah ouais. On peut sortir de ce bâtiment? Allez, on sort de ce bâtiment. Le bâtiment où on était, donc il y avait une cuisine, il y avait des chambres, il y avait des toilettes. Donc c'était un espèce de petit internat, un truc comme ça, hébergement. Il y avait un étage, je pense qu'il y avait encore des chambres, il y avait plein de toilettes. Il y avait beaucoup de chambres surtout. Du coup, les gars, pour resituer un peu, le milieu il est en face de nous et nous on vient du côté droit. Je sais pas si vous voyez, du coup on vient de là-bas, je pense que c'était là-bas l'hébergement. Faut qu'on aille en face. Du coup, on va aller directement là-bas, les mecs, et ça va être parti. Arrête de faire des trucs comme ça, c'était plus flippant que le lieu, gros. Vas-y, viens, on y va. Allez, gros, allez. Tu veux une petite veste ou pas? Petit siège autocar. Rémi, en vrai de vrai, je te propose un truc. Ouais. On change pas une équipe qui gagne. Continue tout devant, non, c'est mon bon gars. Allez, gros. Mais gros. Allez. L'ambiance, elle est bien flippante. Starbla posé au milieu, là, ça me rappelle un film que je dirais pas. Conjuring. Il commence bien ce mois d'Halloween, Rémi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la porte principale, là, Rémi, on est d'accord? Franchement, on n'est pas obligé de faire tout ça. On n'est pas obligé, mais ça fait plaisir. Les abonnés, ils se régalent. On a un urbex dans notre maison.
Il est stylé, Stag, non? Gaïa, ouais. Imagine, t'es comme ça, tu lèves la tête là, tu et il y a un gars dans le truc à gauche là. Oh, regarde, ça c'est, je pense, la réception là, non? Mais regarde, là par contre, il n'y a pas de billes. Si. Là, on arrive sur une grande pièce. Moi, je pense que c'est un espèce de salon, ça. C'est quoi ça? C'est du cannabis? Mais non, c'est le sol qui s'est écroulé, sale chien. Mais toi, t'es vraiment débile, toi. J'ai pas compris. On vous veut pas de mal. Et s'il y a des gens, faites du bruit, comme ça, on part. Fais gaffe où tu mets les pieds, quoi. Mais il y a une énorme salle encore. Elle est énorme. Regarde les ballerines. Wesh. On la prend pour maman. Il y a deux paires. Pour maman, cadeau de la fête des mères. Les gars, par contre, regardez les murs, ils sont vraiment tous remplis de tags. Les gens, ils ont pourri l'endroit. Ça fout la haine, ça, tu vois ou pas? Regarde, frère, tout est tagué. C'est du fraîche. Non, on est pas fraîche du tout. Regarde, tiens, n'importe quoi, toi, tu crois en dedans. Coupure, gaz, cuisine. Je sais quoi, ça. C'est les conduits d'aération. Vas-y, viens, la France. C'est quoi cette pièce? D'accord. Il y a l'odeur de fou. Ok, Rémi, le bâtiment côté droit, il est fait, c'est bon. Faut qu'on aille côté gauche, gros. Peut-être on va trouver un truc, Rémi, on sait jamais, gros. Les mecs, là, on est revenu à l'endroit principal où on était au tout début. On a fait tout le côté droit là-bas. On va voir le côté gauche. Le côté gauche, oh, il a l'air bien flippant, le côté gauche là. Regarde. On est des bonhommes. Rémi, tu fais quoi, gros, là? C'est encore les catacombes de Paris? Ok, là c'est encore une pièce, les gars. Il y a un gars qui dort là-bas. Arrête de dire ça à toi. Mais c'est moi qui passe tout le temps en premier. Hein? Oui, je t'en ai 40 ans, je passe en premier. En fait, je crois. Là, c'était peut-être une salle de classe. Il y a encore une espèce de table qui ressemble à une table d'école. Tu dis gros mots. On regarde le petit canapé, Rémi. Franchement, tu me chies dessus. Moi aussi, je me chies dessus. Ok, il y a tout qui s'est effondré par contre. Ça faisait vraiment que des grandes salles. Tu sais que je pense que Rémi c'était vraiment beau quand c'était debout. Le bâtiment il s'arrête jamais, les gars. Je crois qu'il est pas gros, Rémi. Il y a un tag, il est hardcore, regardez. Les gars, le tag là. Regarde-moi. C'est quoi ça? Non, vas-y, ça j'aime pas ça. Vas-y, viens. Vas-y, on sort par là. Vas-y, avance. C'est là qu'on s'est fait attaquer par les oreilles? Ok, les mecs, on vient juste de ressortir par là. Là, on s'était fait attaquer au tout début. Les gars, je vous jure que là, on a fait un truc de ouf. En vrai, de vrai, les gars, je me suis dit que moi et Rémi, on allait faire demi-tour. En plus, il y a des voitures, on dirait que c'est des dragons. Ouais. C'est un exploit ce qu'on a fait, les gars. On a fait l'aile droite, on a fait le milieu, on a fait l'aile gauche. Ouais, les gars, le bâtiment du centre, il est vraiment, vraiment big. Mais au final, en fait, tout ce qu'il y avait, c'était quoi? C'était des graffitis. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de balles de d'airsoft. Les gens, ils ont dû bien défoncer le lieu comme il faut. T'as entendu, Rémi? T'as entendu? Je me suis croché la main. Ah, je me suis cassé la main avec le katana. Rémi, il y avait quelqu'un? Mais je t'emmène dans les pommes, regarde mon doigt. Il y a rien? Si. Je t'emmène dans les pommes. Appelle les SDF. Tu t'es fait quoi? Ah, tu t'es pincé? Il s'est blessé avec son propre katana. Allez, vas-y. Gros. Mais d'accord. Là, c'est pas un animal, ça. Ça, c'est pas un animal. Mais d'accord, t'as entendu un truc aussi. C'est quoi ce bordel? Mais d'accord qu'il y avait un truc là. Les mecs, on voulait retourner à l'intérieur pour voir s'il n'avait pas raté quelques pièces. Mmh. Comme si un truc qui tombait, je sais pas. Pourtant, on l'a fait, les endroits-là. C'est un truc qui a tapé, qui est tombé. Ça peut être les animaux, gros. Les mecs, on va arrêter l'urbex là-dessus. Je pense pas qu'il y avait quelque chose, ça devait être un animal. Bon, les refs, j'espère que vous avez kiffé ce petit premier urbex pour le début d'Halloween. On en refera un dans une semaine ou deux. Ok, vous m'explosez les pouces bleus. Sans moi. On y retourne avec Zizou et Rémi. Zizou. Ok, et il y en aura encore un troisième. Si vous kiffez, vous m'explosez les pouces bleus. Si vous kiffez pas, on arrête dessus, c'est bon. Les gars, explosez-moi les pouces bleus, je veux une suite. Je veux une suite, les mecs. Dans un autre lieu, bien évidemment. Les refs, je fais des bisous, passez une bonne soirée. Et moi, ça va être ma dernière urbex. Non, oui, non. À très vite, les mecs. Non.